Si l'écran affiche 3, appuyez sur le bouton ayant le même chiffre qu'à l'étape 4. Mais c'était 4. C'est bon ? Yes ! Allez, le dernier module, putain, allez ! Calme-toi, je suis là derrière. Ah, pardon. Salut tout le monde, les gens. Aujourd'hui, on est debout. Exactement. Mais pourquoi ? Parce qu'on va s'asseoir après. Voilà. Aujourd'hui, mon Pascal, oui. On va essayer de désamorcer une bombe. Grenade ! C'est Manuel. J'ai Manuel. Manuel ! Il est là. Voilà. Je vais avoir la bombe sur mon ordinateur. Une vraie bombe. Ah, tu explose. Ah, ok. Voilà. Parce que je savais pas que moi ça faisait tout, tout, tout. Eh oui. Moi, ça fait plutôt. Avec ce manuel, tu vas m'aider à désamorcer la bombe. Ah, déjà, je vais vous montrer un truc. Là, je comprends rien. Franchement, déjà, c'est des hiéroglyphes. Oui, mais je vais te dire ce que je vois sur l'écran. Et du coup, toi, tu vas dire, ah, tu vois ça. Du coup, dans le manuel, tu vas avoir la solution. D'accord, ok. Voilà. Donc, faut bien communiquer. Ah oui. Bon, allez, on y va. J'espère qu'on va y arriver. Attends, il y a un timing et tout, je crois. Ouais, t'as 5 minutes. Donc, si jamais on fait une erreur, le chrono s'accélère. Deuxième erreur, le chrono s'accélère. Troisième erreur, ça explose. En fait, faut pas faire d'erreur, quoi. Je suis le désamorceur. Votre but est de désamorcer la bombe avec vos amis. Je vais commencer par la première bombe, mon Pascal. Vous n'êtes pas autorisé à regarder le manuel de désamorçage. Alors, oui, j'ai des fils en haut à droite. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 fils. S'il n'y a pas de fil jaune. Il n'y a pas de fil jaune, il y a un fil rouge. Attends, laisse-moi finir. S'il n'y a pas de fil jaune, si le dernier chiffre du numéro de série est impair, coupe le troisième fil. Et c'est 9 le numéro de série. Donc c'est pair ou impair ? C'est impair. Merci. Donc tu coupes le troisième fil. Mais te trompe pas, hein ? C'est coupé. C'est bon, c'est vert. Super. Allez. Ensuite, j'ai un truc avec 4 touches, mais c'est 4 signes un peu chelous. Comme des hiéroglyphes ? Oui. Ok, j'ai. Est-ce que tu as un symbole en forme de une tête d'homme avec un cou ? Oui. Deux yeux. Non, il n'y a pas deux yeux. Appuyez sur les 4 boutons de leur ordre d'apparition dans cette colonne de haut et bas. C'est quoi le délire là ? La tête, tu l'as ou pas ? Non, je l'ai pas. Le A ? Non. Dis-moi ce que t'as. Il y a un point d'interrogation. Ouais, je l'ai. Tu appuies sur le bouton dans l'ordre d'apparition. Faut que je donne tous les symboles. Ouais. Donc colonne de gauche, la tête. Non. Un A. Non. Après t'as un triangle avec le E de l'euro. Oui, dessous. Ouais. Ouais, ça je l'ai. Bah vas-y. Ça c'est en premier. Ouais. Ok. Ensuite j'ai un H. Ah putain non, c'est faux. Il m'a dit c'est pas bon. Ok, le H, non. Non mais en fait c'est à moi de te donner les symboles. Alors j'ai pas. Il reste une minute. Point d'interrogation à l'envers. Oui. Clique dessus. Ah non putain, deuxième erreur, fais cagier. Là je sais pas tout ce qu'il faut faire. Bah, attends, je vais essayer un truc, hein. Bah t'essayes quoi? Tu sais qu'on va se faire exploser la gueule, ouais? Je crois que ça a explosé. Eh bah ouais. Trois erreurs. Putain. Je sais pas ce qu'il fallait faire. Seulement, l'une de ces colonnes contient les 4 symboles. Ah! En fait, c'est ma colonne qui contient tes 4 symboles à toi. Ouais, c'est ça. Ah ouais, mais putain, ouais, on a merdé. Bah, c'est pas grave, on retente? Bah oui. Vas-y, direct. Alors, j'ai 6 fils. Écoute bien. Ouais. S'il n'y a pas de fil jaune. Y en a un. Alors, laisse tomber. S'il y a exactement un fil jaune et plus d'un fil blanc. Oui. Coupez le quatrième fil. 1, 2, 3, 4. Yes! C'est bon, mon Pascal. Ok, symbole. Le premier, c'est simple. Là, dans les 4 symboles, j'ai une étoile. J'ai le E de euro à l'envers avec 2 points au-dessus. Ouais. Ensuite, j'ai un K un peu chelou, un peu à l'envers. Ouais, j'ai tout. Eh ben, vas-y. Alors, du coup, là, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, bah, je sais pas. Tu cliques d'abord sur le E à l'envers avec les 2 points. D'abord le E à l'envers. Oui! C'est bien! Après, le CE. Le CE, oui! Après l'étoile! L'étoile! Après le K! Oui! C'est bon, ça, mon Pascal! Alors, il y a un gros bouton rouge avec écrit maintenir. J'ai pas de couleur, moi, c'est que du noir et blanc. Bah, je vais essayer d'appuyer sur le bouton maintenir. Non, mais je sais pas de quoi tu parles, donc c'est à toi de me décrire, je vois pas. Ouais, mais j'ai un bouton maintenir, donc je vais maintenir, on va voir. Attends, j'essaye. De toute façon, au pire, c'est qu'une erreur. Eh ben, c'est bon. On a désamorcé la bombe! Sérieux? Oui! Bah, super. Résultat, désamorcé. Bah, on tente la troisième bombe, mon Pascal! Troisième, vas-y. Oh là là. J'ai un compteur sur une jauge. J'ai une petite aiguillette rouge sur une jauge. J'ai pas de couleur! J'ai une petite aiguillette sur un compteur. Il y a écrit 3000, c'est un compteur de mégahertz. Il y a écrit TX. Ok, j'ai. C'est un code morse. Ouais, peut-être. Bah, tu peux me le dire, ça. Ah, mais je sais pas ce que c'est, un code morse. Ah, oui, c'est un code morse. Voilà, putain! Interprétez le signal de la lumière clignotante. Oui, c'est ça! En utilisant la table de codage du code morse. Un clignotant court représente un point. D'accord. Un clignotant long représente un tiret. Ok. Il y a une pause entre chaque lettre, il y a une longue pause avant que le mot se répète. Là, c'est moi qui comprends pas, alors attends. Il y a une flèche à gauche et une flèche à droite. Ouais. Mais c'est moi qui dois faire. Bah, c'est pas moi, c'est qui? Attends. Non, mais je dois faire quoi avec les flèches? Je sais pas ce que c'est. Tu sais quoi, on va changer de preuve, mon Pascal. Là, j'ai un écran avec 5 lettres, des flèches en haut et des flèches en bas. Ouais, j'ai. Sur ce module, il y a plusieurs panneaux. Contenant des fils. Non, c'est pas des fils, c'est des lettres. Hein. J'ai 5 lettres qui doivent former un mot et je pense qu'il faut trouver le mot. Le mot de passe, c'est ouais. Ça. Le bouton au-dessus et en dessous d'une ouais. Position permettent de passer en revue les différentes lettres tout à possibles fait. Pour cette position. C'est ça. Je te dis la première lettre. Ouais. Alors, il y a R, H, F. Ouais, tu me dis la première lettre, tu me dis R, H, R. Oui, la première lettre, c'est une lettre. Parce que je peux changer en fait. Il y a plusieurs possibilités de première lettre. Donne-moi une lettre, la première. La première, c'est soit R. Ah voilà. Parce qu'en fait, quand tu me donnes une lettre, j'ai 30 mots. Ah, donc, ouais, faut que je trouve la bonne lettre. Alors, R. Ça peut être quoi la deuxième? Attends. Ah, je cherche un mot qui commence par R. Ah putain, ça clignote. Ah, donc on est mort. Ah, j'ai pas. Ça va exploser. Oh, elle est dure celle-là. Une autre lettre. F. Ouais, j'ai. Deuxième lettre. J, W, F. Non, attends. Non, t'as autre chose? L. Non. Ah, L, oui. Ensuite, H. Non. M. Non. E. Oui.
Oui. Alors ça va être fleur. Ouais. Allez. Ok, validé. Yes, on l'a, putain. Voilà. Le dernier, c'est en bas à droite. C'est un tableau, en fait, c'est bizarre. Il y a, on dirait un jeu de bataille. Ah, putain, ça a explosé. Mais le premier, il était trop dur. J'ai rien compris au premier. Je connais pas le morse, pas le morse, moi. C'est trop chaud. Comme quoi, la communication, c'est important. Alors, on est parti, mon Pascal, j'ouvre. Alors là, il y a un Simon, tu sais, c'est le truc avec des couleurs rouge, bleu. J'ai pas de couleur. Ah, putain. Ah ouais, mais là, comment on va faire ? J'ai un document en noir et blanc, moi. Tu sais, c'est un losange avec quatre losanges à l'intérieur. Voilà, ça, c'est bon, donc, tu vois, ça. Gauche. Sympa. Et j'ai un point. Écoute bien, un des quatre boutons s'allumera. En l'utilisant à table ci-dessous, appuyez sur le bouton correspondant. Le bouton original s'allumera, suivi d'un autre. Si le numéro de série contient au moins une voyelle. Ah, tu veux le numéro de série ? Il a pas de voyelle. Flash jaune. Rouge, vert, rouge. Je fais rouge, vert, rouge ? Ouais. Rouge. Ah non, il veut pas direct. Sinon, je vais changer. Ah là, j'ai des fils, mon Pascal. On repart sur les fils. On aime bien les fils. On peut pas être sur un truc et s'arrêter et revenir après. Ouais, c'est bah alors, on perd du temps. Alors, ouais, mais je connais. Je, là, je mais ouais, mais on perd du temps. Moi, je trouve que c'est dommage parce qu'on était dessus. J'ai 6 fils en vertical. S'il y a exactement un fil jaune et plus d'un fil blanc. Non, il n'y a pas de fil jaune. Sinon, il n'y a pas de fil rouge. Il y a un fil rouge. Sinon, coupez le quatrième fil. Tu as la pression un peu là ou pas? Yes, c'est bon. Super. Ensuite. Ensuite, c'est encore des fils. Mais là, c'est des fils verticaux. Et en plus, ils sont bicolores. J'ai pas de couleur. Les deux premiers sont rayés. Les trois autres sont unis. Et le dernier rayé. Pour chaque combinaison du fil, lumière et symbole, utilisez le diagramme de Venn pour savoir s'il faut couper le fil ou non. Un fil rouge ou pas? J'ai un fil, il est rouge et blanc, mais. Je comprends pas. C'est quoi le diagramme de Venn là? Le diagramme de Venn, s'il y a des cercles, je comprends rien. Sinon, j'y vais au talent, j'en coupe un comme ça. Non, 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 parce que là, le fil rouge, il me dit que c'est un très long, un point, un très long, un point, un très long, un point. Putain, mais c'est quoi ça? On a droit à une erreur encore, hein? Ouais, ça a explosé. Au tour de Pascal de désamorcer la bombe. Dans un carré, j'ai un petit carré et en dessous, j'ai des chiffres. Ouais, ok. Ok, vas-y, je t'écoute. L'écran affiche combien? 4. Si l'écran affiche 4, appuyez sur le bouton en quatrième position. Ok, donc c'est le 3. C'est bon. Ensuite, si l'écran affiche 2, appuyez sur le bouton à la même position qu'à l'étape 1. Je sais pas lequel c'était. C'était le dernier. Ok, ensuite. C'est bon, 2 encore. Si l'écran affiche 2, appuyez sur le bouton ayant le même chiffre qu'à l'étape 1. Je sais plus. C'était 4. Ouais, je crois ce que t'as dit. Putain, c'est pas bon. Enchaîne. Là, c'est 2, j'ai changé de chiffre. Ah, encore. Ok. Là, je me suis trompé, okay, donc okay. Je suis si l'écran affiche 2, appuyez sur le bouton en première position. Ok. Pas bon! Et là, ça affiche quoi? 1. Étape 5, hein, du coup. Si l'écran affiche 1, appuyez sur le bouton ayant le même chiffre qu'à l'étape 1. Putain, je comprends rien. Allez, étape 1, c'était quel chiffre? Le 4? Je sais pas, c'est toi qui l'as, la bombe. Bah, c'était écrit 4 dans l'écran. Ouais, je crois que t'as dit que c'était. Ouais, c'est bon, on est mort. Oh putain. Tu m'as pas aidé à désamorcer une seule bombe. Oh là là. Ok, trouve-moi le module où il y a un losange. Un losange, quatre, ah ok. 4 carrés à l'intérieur. Un des 4 boutons s'allumera. Oui. C'est lequel? Celui d'en bas, le vert. Le vert, ok. Le bouton original s'allumera suivi d'un autre. Répétez la séquence dans l'ordre en utilisant la correspondance des couleurs. Donc, en fait, je dois appuyer sur les couleurs à chaque fois, c'est ça? Ouais, je crois. Alors, bouton à appuyer. Si le numéro. Ah, le numéro de série contient une voyelle ou ne contient pas de voyelle? Le numéro de série, c'est dessous la bombe, Pascal. Voyelle, oui. Essaye, d'abord vert. Attends, vert. Pas bon. Putain, du coup, ça serait jaune, bleu, jaune. Tout à l'heure, ouais. Alors, jaune, pas bon. Putain, mais ça, je comprends pas. Pas d'erreur. Alors, fais bleu. Fais, ouais, bleu. Fais. C'est explosé. Putain. N'arrive pas, hein. Je comprends rien. Plus 5. Heureusement qu'on n'est pas des mineurs, hein. Je vais tester un truc. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 fils. Il y a un fil jaune ou pas? Non. Alors, s'il n'y a pas de fil jaune et si le dernier chiffre du numéro de série est impair, coupez le troisième fil. Le numéro de série, est-ce qu'il est impair? Oui, il est impair. Et il n'y a pas de fil jaune? Non. Eh ben, coupe le troisième fil. C'est bon. Allez! Celui avec les codes, là, le 1 au milieu, tu sais, les 4 chiffres en dessous. Si l'écran affiche 1, appuyez sur le bouton en deuxième position. Mais il faut qu'on se remémore quel était le truc. Donc, deuxième position, c'est 4. C'est 4, ok. Donc, étape 1, c'était 4, on va dire. D'accord. C'est ensuite, bon. L'écran, il affiche quoi? 3. Si l'écran affiche 3, appuyez sur le bouton en première position. C'est encore 4. Ok, c'est bon. Super. Ça affiche 2. Si l'écran affiche 2, appuyez sur le bouton ayant le même chiffre qu'à l'étape 1. Donc, c'était 4, je crois. C'était 4. C'est bon. Yes. Ensuite, 1. Si l'écran affiche 1, appuyez sur le bouton à la même position qu'à l'étape 1, donc 4 encore. J'ai rien compris. 4. 4 encore. C'est bon. Yes. Et le dernier. 3. Si l'écran affiche 3, appuyez sur le bouton ayant le même chiffre qu'à l'étape 4. Mais c'était 4, de toute façon, on a eu de la chance. C'est bon. Yes. Allez, le dernier module, putain, allez. Calme-toi, je suis là derrière. Ah pardon, je me casse la tête. Le dernier module, combien il reste? Il reste 2 minutes 56, mais j'ai pas d'autres modules du coup. J'ai un truc, c'est écrit annulé. C'est un module en fait. Ah ben vas-y, annulé. Annulé. Ok, je crois. C'est avec un bouton rouge. Un bouton. J'ai pas. Quel bouton rouge? Comment tu peux avoir des boutons rouges? T'as pas de couleur. Annulé, c'est marqué. Annulé. J'ai ouvert le couvercle. Ouais. Ensuite, j'ai une pile là d'un côté là. Ah, une pile. Il y a écrit quoi sur la pile? Bah y a rien écrit, c'est une pile. Okay. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je sais pas. Moi, je peux appuyer sur annulé, hein, mais est-ce que je dois appuyer plusieurs fois? Vas-y. Il reste une minute. J'ai sur annuler, c'est rouge, donc ça marche pas. Alors là, je l'ai le bouton, alors ok. C'est bon. Qu'est-ce qu'il y a eu? Bah, je me suis démerdé. Allez!
Donc tu sers à rien quoi. Là, je t'ai fait. J'ai appuyé sur annuler. Ouais. Écoute, j'ai appuyé sur annuler sans relâcher. La batterie elle est montée rouge, j'ai lâché, ça fait bouton vert, donc c'était bon. Parfait. Voilà, désamorcé. J'aurais pu le faire tout seul. J'ai fait tout seul. Hein. Ah, ça va, je t'ai dit les boutons. Avant, t'as fait un module tout seul, mais. Où tu m'as fait les boutons? Aïe. Ah, mamé, je suis coincé, Pascal. Aïe, aïe. C'est pas grave. C'est pas vrai. Encore un. Encore un. Tu veux pas partir sur une victoire? Tu veux pas partir sur une victoire? Je t'ai aidé sur deux modules. Tiens, ça fait plaisir. Le monde il a pas explosé grâce à nous. On l'a explosé moins 15 fois avant. Alors écoute, j'ai deux modules. Tu vas être embauché par l'armée comme... J'ai oublié le nom. Des mineurs. Exploser. De quoi exploser? Là, j'ai un truc, un module écrit exploser. Si le bouton est jaune, maintenir... Non, il est bleu. Ah, il est bleu. Ah, ben, si le bouton est bleu et marqué annuler. Non, il y a écrit... Non, exploser. Ah, s'il y a... Le bouton annulé, je laisse si tu veux. Ah non, c'est appuyé. Alors, il y a écrit quoi alors? Exploser. Exploser. Parce que j'ai un truc. S'il y a plus d'une pile sur la bombe et si le bouton est marqué exploser, appuyez immédiatement et relâchez le bouton. Il faut qu'il y ait plus d'une pile sur la bombe. Regarde combien il y a de piles sur la bombe. Bah, en fait, on explose. J'ai plus de batterie. Non. Tu me dis non? Aïe! L'ordinateur s'est éteint, je te dis. Bah, ça annonce la fin. Hein. Voilà, tu vois. Je t'avais dit qu'il fallait partir sur une victoire. En plus, je l'avais pour une fois. Tu me donnes les bonnes instructions pour une fois. Tu me parles des deux piles, j'avais bien deux piles. Ah putain! Franchement, ce jeu, il est bien. Sauf que s'il n'y a pas une bonne communication, ouais, t'exploses. C'est ça. Et comme il n'y a pas une bonne communication entre moi, je vais t'exploser maintenant. Eh ben, moi, je vais courir. Voilà. Si l'armée a besoin de deux démineurs, vous inquiétez pas, parce voilà, qu'elle est là. C'est moi qui lis, hein, les oui. C'est ça, c'est ça. C'est lui qui va se faire exploser, en fait. Si vous avez d'autres idées de jeux à faire comme ça, un duo, c'est pas mal. Moi, j'ai bien nouvelle formule sur la chaîne, n'hésitez pas. Tu commentaires. Les pouces, les orteils. Voilà. Voilà, tout le reste, le corps entier. Voilà, la chaîne, l'abonnement. La chaîne, j'ai voulu faire la chaîne. Oh, je suis ouf, moi, mais je suis une nègre, j'ai pas fait exprès en plus. Merde, heureusement que je te reprends. Ouais, grave. T'as c'était tout seul, comme tout le temps. La cloche, là, du coup. La cloche, voilà, ça, on peut le faire. Bon, on vous dit salut tout le monde, les gens.